bien, salut tout le monde, c'est Entre le Compte et vous. Et aujourd'hui, on se retrouve sur la suite de Tomb Raider Legend, épisode 3, pour plonger là-dedans. Donc alors, comme vous avez pu... si vous avez vu l'épisode 2, donc en fait, on est sur l'endroit des fouilles où il y a eu un accident, l'accident de notre ami. Et on est revenu pour élucider tout ça. Alors, déjà, tu vas remonter. Tac. Puis après, on est parti. C'est parti, c'est parti. Oh, descend. Vas-y. Trace. Pas que tu meurs noyé, ce serait con. Vas-y, remonte. Ah non, oh, remonte. Voilà, c'est bon. Récupère ton souffle. Et on est reparti, hop. Vous devez sûrement l'entendre dans le micro que je suis en train de spammer la touche. Voilà, on est bien. On est bien, alors après... Moi je viens de là, donc... Faut aller par là. Allez, on se le tente, on va passer par là. Je m'aurais étouffé. Non, c'est bon. Voilà, hop. Respire un bon coup, là. Tu l'as bien mérité. Alors, ici, si je me rappelle bien, hop. Faut aller vite. Monte un peu plus haut. Oh, putain. La direction, elle est horrible. Une pierre. Remonte un coup. Y'a plus que celle-là, vite. C'est bon. Et oui, il y avait beaucoup d'eau. Enfin, moi, vous savez, Amanda, on l'a quand même. Enfin, c'est pas vraiment du spoil, hein, mais on l'a quand même vu début de la série. Fille du roi, elle fut perdue et élevée par un guerrier. Elle devint reine lorsqu'un chaman du nom de Tumpa découvrit son ascendance. Tumpa est l'un des noms de Viracocha, leur dieu créateur. Le chaman l'amena au lac Titicaca, où elle emprunta son bâton, un objet de grande puissance. D'après le jeté, Viracocha vivait dans le lac. Mais tu laisses de voir quoi. Elle guida son peuple vers une ère de paix. Mais après des années de règne jusqu'à ça, une lutte pour le pouvoir éclata. Elle mourut peu après et fut emmenée au paradis dans un bateau. Ça te rappelle quelque chose? Le mythe du roi Arthur, oui. Et son mythe de son le roi Arthur? Quel est le rapport? C'est la même histoire. Un jeune homme ignorant de son lignage sort de l'anonymat et devient un roi sage grâce à un mage bienveillant et à son bâton ou son épée. Pour finalement être en mémoire. Bien des cultures partagent leur légende. Le déluge, par exemple, c'est un terme de la légère. Hop. Alors, je dois aller par là. Ça va, hop. Ça gère. Alors, wow,
Ça, je pense qu'il avait pas découvert. Il y a un truc qui vient de trembler. Alors, par là, je parie que ça glisse, donc on peut pas y aller. Alors, la corde... Oh là 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 là. Pour moi, c'est pas très stable, ça, Lara. Voilà, qu'est-ce que je disais, faut pas s'y risquer. Et en plus, c'est moi qui vais devoir me taper. Alors, tu vas aller où? Hein? Vers le haut, c'est parti. C'est parti. Oh là là là. Ah non, non, merde. Ah non, je peux plus toucher. Au revoir Lara. Oh merde. Bon, bah, j'ai tué notre super héroïne. C'est ballot. J'ai fait la flèche vers le haut au lieu de faire la flèche de droite. Je suis con. Oula, je peux y aller louper celle-là. C'est bon. Alors, une bouboule, deux bouboules. Non, tu crois? Ah ouais, c'est pas bête. C'est pas bête. Alors, toi, tu retournes là. Alors, bonjour toi. Alors, si je me rappelle bien, je dois monter là-haut. Ah. Ouais, les boules, de toute manière, elles doivent venir se loger ici. Donc toi, tu vas bouger de là. Est-ce que je peux faire ça? Non, 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 je voulais pas faire ça. Ah, il me semble que je pouvais. Ah non, je peux pas. Dommage. Il me semblait que je pouvais le faire. Alors, toi, tu vas venir te loger là. Oh! Le chaman de la reine. Une épée initie le bâton de Viracocha, planté dans un socle. C'est bien ça. Tu crois que c'est le même que celui de Tiwaku? Il doit en exister plus d'un. Mais c'est possible. Donc le chaman, c'est Merlin. Et le bâton, c'est l'épée d'Arthur. Note, la légende d'Arthur, c'est l'une des plus connues. Hein. Bon alors, je présume que je dois monter par là. Ceux qui connaissent pas hein, Arthur, la légende du roi Arthur avec Excalibur, Merlin, etc. C'est quand même hyper connu. Alors, comment je vais par là? Comment la corde est trop loin. Là je peux pas m'agripper. Là je peux non plus. Ouh là je suis fait mal. Ah là là, ça me fait chier quand je tourne en rond et que je sais pas par où je dois monter. Je vais voir par là, tiens. Parce que comme il y a une corde, il y a peut-être moyen de s'agripper. Ah ah. Allez hop, pète-toi la gueule, pas. Je l'avais même pas remarqué, la boule. Allez hop. Tu te ramènes par là, toi. Et l'autre, je présume que je vais pouvoir la tirer. Alors, tu vas te mettre là, toi. Oh, hey, j'en ai marre de me faire écraser à chaque fois, moi. Ah non, je vais peut-être pouvoir faire comme ça. Oh, la boule qui est logée là-haut. Où est-ce qu'elle est? Je l'ai vue. Là. Non, tu veux vraiment pas? Je suis obligé de me taper à monter. Ouais, je suis obligé. C'est parti. Ah merde. Tac tac tac. D'accord, tu veux pas? Faut te mettre sur la rambarde. Oh là là. Et le saut XXL, voilà, hop. Qui veut du caca qui colle au cucu. Alors, le pluie, c'est un pluie de lumière. Et toi, tu vas tomber par terre.
que je survie. Ah, je peux pas sauter. Ah si. Ah, ben voilà, ça répond à tout. J'ai fait un faceplant et je suis bon à tout recommencer. Donc toi, on va te retirer là. Oh non non, tu fais pas écraser. Alors, je vais te coller là. Milieu, toi tu iras de l'autre côté et l'autre bouboule. Étant donné que je dois monter là-haut, je vais la mettre au bon endroit directement. Oh là là là, c'est vrai que ça, quand on recommence, on doit se retour se retaper. Vous m'excusez. Hein. Ok, je ne peux pas faire ça. Et là, je peux. Je ne peux pas. Tant pis. On va laisser faire les choses. Non, mauvais endroit. Mauvais endroit, mauvais endroit. Tu redescends. Alors, si je me mets là. Ah bah non, ça s'active pas. Hein. Ça serait trop beau sinon. Je dois aller. Je trouve plus l'endroit. What? Attendez, je retrouve plus. Ah ouais, mais j'ai pas ouvert le bon, ok. Donc comme j'ai pas ouvert le bon, je suis dans le caca, donc toi tu dois aller te mettre là. Voilà. J'ai cru qu'il voudrait pas s'ouvrir. Allez hop. Non. Allez, on se dépêche, j'ai pas que ça à faire. Hop. J'aurais quand même bien avancé, on se laisse. Non mais non non. Crétine de la rap, putain. Je suis obligé de me doper à cause de ça. Oh, là ça devient pénible les directions. Allez hop. Cette fois-ci, je ne ferai pas l'erreur. Hop. Hop. Je peux me lâcher. Voilà, c'est bon. Alors, la boule, elle est là. Je vais t'emmener à ton nouveau lieu de résidence. Voilà. C'est bon. Imaginez s'il y avait des nuages, elle serait pas dans la merde. Je suis très impressionné. C'est magnifique. Ouais, je trouve que c'est pas mal. Le seul truc, c'est que j'ai pas activé le chrono. Waouh. Putain. Regardez là. Elle est belle. Nous étions si proches. Si proches. Fantastique, Vera. Vous n'avez pas l'impression d'avoir déjà vu cette épée. C'est celle que tu es autant. Sauf que là, c'est une épée de ces jeunes. Et qu'est-ce que nous avons là? La pointe s'est brisée. Eh bien, je ne m'attendais vraiment pas à découvrir ça. J'ai déjà vu ça. À l'université Waseda en Japon. J'ignorais que ça pouvait avoir un rapport avec ça. Nickel, j'ai la place tout de suite. Elle n'y est plus. Elle a été volée par Shogo Takemoto. Takemoto. Rien à faire. Je veux cette épée. Organisez-vous. Ça c'est dit. Oh là là, je me disais bien aussi que c'était trop simple de passer directement au niveau suivant.
mot pas grave. Mais préviens-moi. Mais genre, accroche-toi, voilà. Comme toujours. Et devant le nez de ces andouilles. Alors, pas... Non, par là. Voilà. Par là, hop. J'aime bien parce que les types, ils me voient pas, quoi. Ça, c'est pas pratique. La corde, je suis pas sûr que je peux la choper, donc je préfère redescendre. Hop. Ah bah, j'ai bien fait, franchement. Hop. De toute manière, moi, je vais juste là. C'est bien que tu vois rien, comme ça je pourrais mieux te buter. Cadeau. Oh, comme je les ai explosés. Allez hop. Tu me fais plaisir Lara. Ah, oh, j'ai perdu un peu de points de vie. C'est pas l'eau. Allez, j'ai refait le plein. Je savais pas ça. Cadeau. Ils sont tous morts, c'est bon. Fais le plein de munitions, tu te soignes et on est reparti. D'abord je prends ça. Alors. Je dois aller par où? Par là. Note, il n'y a qu'un seul passage possible. Ça va. Allez hop. Vas-y, monte. Oh, on a asséché la rivière, quoi. On n'est pas allé de main morte. Et monte. Oh, ils sont chiants. Il y a un escalier, mais non. Vas-y, hop. Remise du micro, c'est bon. Alors, tout. Hop. Non, cadeau. Voilà. Bon, juste peut-être des grenades, mais au moins c'est marrant de les voir exploser. Oh oh. Il est où? Là. Wow, comme elle me met, comme il met un point. Pas que la visée précise, ça me saoule, mais là, un peu. Salut. Oh putain, la grenade, j'avais pas vu. Vas-y, tu crèves. Toi aussi, c'est bon. Ah non, il y en a encore un là. Ah mais ils arrivent par vague d'assaut en fait. Vas-y, hop, dodo. Bonne nuit. Alors, les mecs, vous êtes chiants là. Arrivez par vague d'assaut, je trouve pas ça correct. Surtout que je suis une gonzesse quoi, merde. Ah ouais. Oh, putain, encore un enfoiré quoi. Eh mec, on se calme. Celui que t'es en train de tirer là, c'est ma copine. Alors crève. Voilà, hop, couché. J'espère que t'as trouvé ce que tu cherchais parce que je ne remets plus les pieds ici. Tiens, regarde. C'est tout ce qu'elle a laissé. Elle s'en est sortie sans rien dire. Pourquoi s'est-elle cachée tout ce temps? Je pense qu'elle s'est éloignée. Plus qu'elle ne s'est cachée, en fait. Elle a pu découvrir la seule quelque chose qu'elle a certainement voulu garder pour elle. Zip, tu as pu avoir ta carotte? Oui, j'ai eu. Ah, il faut y avoir droit. Donc j'ai appelé que
Chacun ses petites manies. Je suppose que préfère qu'on se voit en terrain neutre. Tu vas adorer. Il a choisi les bureaux de tout Nishimura, juste en face de son appart. Nishimura? Takamoto ignore que nous sommes amis. Ouais. Il sait juste que Nishimura de l'UVS est sûr de m'asseoir et que vous vous ferez la voir. De mieux en mieux. Bon, très bien, j'y vais directement. Reste à trouver une tenue adéquate. La tenue est super sexy. Enfin bref, donc, voilà, ça c'était pour cet épisode. Donc j'espère que ça vous aura plu. Bon, les trésors, on les aura complètement zappés. Hein. Mais c'est pas grave, donc je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à commenter, ça me ferait hyper plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Allez, bye bye.